ce sujet. Samuel Eto'o fils est-il victime de son propre succès au vu de tout ce qu'il accomplit déjà au sein de la Fédération Camerounaise de football? Le code d'accès, vous le maîtrisez déjà. Nous, on va marquer une pause. Ce sera une pause art martial. Ce matin, on va s'intéresser à la saisie. Véritablement, c'est une technique au Nambudo. Derrière, on va retrouver Esther Otto pour les informations du côté de l'étranger. Restez les nôtres. Main gauche. Ah, là. 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 Hop. Ah. Ah. Et encore. Donc ici, on a affaire à la saisie. Elle existe. La saisie existe. Je veux partir. La saisie existe. Et j'engage. Et après, frappe. Tu veux dégager. Le gars. D'accord. Ça revient à ce qu'on fait. Tchou. Pousse. T'as vu, non? Ici, quand on fait tchou, on fait un et deux. Tchou. Même chose. Et un et hop. Un. Voilà. Un, là-bas. Un, justement. Va, va, va. Attends. Libère ta main, tu ne l'arrêtes pas. Et tu dois te même bien frapper. Bien frapper. Bien. Voilà. Tu casses, non? Viens, viens, frapper. Toi, voilà. T'as vu? Un, main droite, main droite. Un. Voilà. Alors. Voilà. Même ici, c'est avant. D'accord? Ah. La main qui a frappé, ici. Tant. Descends. Frappe. Un. Un. Je tire. Un. Hop. Un. Ça et là. Frappe. Bien. Et je sors. C'est bon? Passe. Un. Deux. Hop. Bam. Hop. On est dans là. Allez-y. Voilà. Allez, c'était donc l'instant art martial sur Total Sport. On rappelle qu'on traite de tous les sports sans exception. Ce programme hebdomadaire. Quelques messages avant de retrouver Esther Otto. Bonjour, le plateau. Eto'o est un papa pour moi. Son succès me fait plaisir. Le message n'est malheureusement pas signé. Signez vos messages, chers téléspectateurs. Bonjour, Samuel Eto'o est... Est-il condamné en Espagne, condamné à 22 mois de prison, mais il ne fera pas la prison en elle-même, il va payer plutôt l'amende. Bonjour, non, je pense juste qu'il a bas un travail et grâce à son travail intense, le message n'est véritablement pas bien écrit. Prenez le temps de bien écrire vos messages, chers téléspectateurs. Bonjour. Plateau, tous les grands joueurs qui sont passés en Espagne ont eu ce même problème. CR7, Messi et Serra, voire même en Europe. Et surtout, ce sont les expatriés qui ont ce problème. Et en ce moment, l'Espagne a un problème financier. Je dirais crise économique. Et laissez-moi vous dire que Eto'o est un envoyé de Dieu à la Fédération Camerounaise de football. Il n'est pas